Petit coup dur avant de passer à 2021. Après quelques problèmes financiers qui les ont poussés à lancer une cagnotte en ligne en novembre dernier, Maud et Laurent, qui se sont rencontrés dans la saison 14 de L'Amour est dans le Pré, ont clos cette année 2020 de façon difficile, après une saison pas au top pour eux, et ce à cause de petits imprévus. Après avoir eu du mal à tenir un échéancier vis-à-vis de leurs fournisseurs, le couple a dû accueillir les petits veaux de leur ferme quasiment uniquement par césarienne. Ce qui a engendré des frais supplémentaires. Si est-ce qu'il y a un coût supplémentaire mais nous n'avons pas le choix, a ainsi déploré Maud sur Instagram, qui en a profité pour présenter un petit qui vient de naître. Encore une fois, nous avons dû appeler les vétérinaires pour faire une césarienne pour le bien de la vache et du veau, a-t-elle ainsi expliqué, précisant qu'il ne faut pas le faire attendre s'il a décidé de venir au monde. Peu importe, l'essentiel est que tout le monde soit en bonne santé. Nos bêtes et nous aussi. Et nous espérons que vous aussi. Prenez soin de vous tous. A-t-elle ainsi conclu. De nombreux dons pour sauver la ferme de Laurent Simaud tente désormais de relativiser, il y a quelques mois, l'agricultrice n'était pas aussi optimiste lorsqu'elle a lancé un appel aux dons pour sauver la ferme de son bien-aimé Laurent. Un geste qui a touché bien des fans de L'Amour est dans le Pré, qui ont été nombreux à aider le couple rencontré dans l'émission de M6 à rassembler 50 810 euros. Grâce à vous, on a réussi à payer certains fournisseurs mais aussi créer des échéanciers avec d'autres parce qu'effectivement on n'a pas pu tout rembourser mais on a quand même remboursé une bonne partie. Si est-ce grâce à vous, avait remercié le couple, précisant toutefois que si la ferme n'était pas sauvée, ils allaient continuer de travailler et étudier pour améliorer encore et toujours.